1000 milliards, c'est le nombre d'œufs produits chaque année dans le monde. Si l'on doit trouver à cela une explication, elle est des plus simples. L'œuf appartient à cette catégorie d'aliments que l'on peut qualifier d'universel. La France, elle, se classe sur la première place du podium européen en produisant chaque année 13 milliards d'œufs. Une fois les œufs mis en boîte, ils sont prêts à la consommation. Pour 60% d'entre eux, il s'agira d'œufs dits coquilles, c'est-à-dire destinés au consommateur qui achète et consomme chez lui. 35% seront transformés en ovoproduits. Et côté chiffres, son palmarès est impressionnant. 97% des Français consomment des œufs et l'industrie des œufs représente pas moins de 15 000 emplois, directs ou indirects, sur l'ensemble du territoire. Il y a 3 000 éleveurs qui sont répartis sur l'ensemble des régions et il y a 500 centres de conditionnement qui reçoivent ces œufs produits en France et qui les conditionnent, qui les trient. Il y a également une soixantaine d'entreprises qui transforme une autre partie des œufs qui est destinée à l'industrie agroalimentaire. C'est autour du CNPO, l'interprofession de l'œuf, que se rassemblent tous les professionnels de l'industrie. Cet organisme accueille en son sein l'ensemble des acteurs économiques de la filière. Son rôle, c'est de représenter la filière œuf française auprès des instances nationales, européennes, mondiales. C'est d'apporter auprès de nos adhérents tous les renseignements économiques. C'est aussi d'avoir une veille réglementaire pour suivre l'évolution de la réglementation. Et puis, c'est enfin assurer la promotion du produit par des actions de communication. Et pour valoriser tous ces efforts et ces engagements des éleveurs, on a créé le logo Pondu en France. Si en Europe, la consommation moyenne annuelle d'œufs par habitant est de 200, la France fait figure de très bon élève avec une consommation record de 222 œufs. Quelle que soit la culture, la religion ou même l'environnement de l'homme, l'œuf fait partie intégrante de son alimentation et trouve sa place dans tous les foyers.